Bonjour à tous, ici Jérôme Blais, professionnel de golf affilié au club de golf Victoriaville. Aujourd'hui, je vous donne un petit truc pour essayer de bien calibrer la force de vos coups d'approche. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer avec plusieurs balles. Là, j'ai trois balles, mais vous pouvez en amener plusieurs. Vous faites ça à la maison, sur le gazon ou au champ de pratique, ou même quand vous jouez un petit neuf rapide en fin de journée, vous pratiquez ça autour des verres. L'objectif, c'est de commencer en frappant un coup d'approche et en essayant de faire environ 1 à 2 pieds avec la première balle. Vous allez voir, c'est quand même difficile. Tous les gens ont tendance à frapper même trop fort. Fait que je veux vraiment faire un pied. Avec la deuxième, je vais essayer de faire deux pieds. Vous allez voir que ça ne prend pas beaucoup d'élan pour faire avancer la balle. Souvent, les gens essaient de calibrer leur force en faisant le coup au complet. Et on frappe trop fort, trop court. Fait qu'en partant très court et en augmentant quasiment pied par pied, on ressent un peu plus la force que ça nous prend. Puis on a vraiment une amplitude d'élan qui est très courte. Fait que c'est plus facile à faire. Et là, on augmente tranquillement, pas vite. Là, je vais aller chercher un autre deux pieds plus loin. Et je m'en vais comme ça et j'avance jusqu'à la cible qui peut être à 40-50 pieds. Et on recommence et on pratique ça plusieurs fois. Vous allez voir. Ça va vous permettre de développer une meilleure touche et un meilleur calibrage de vos coups d'approche. Bon golf!